Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Moonrise. Nous partons dans l'aventure. Je vais peut-être malheureusement baisser le son du jeu. Je vais le baisser directement in-game. Hop, génial, bon, si tu le dis. Archaïque Orb, pourquoi pas. On va aller dans les options, settings. On va baisser un peu. Hop, voilà. Au niveau des quêtes, on avait plein de trucs à faire, il me semble. Hein. Voilà, fight with 3 fights using only electric solary. Voilà, c'est ça. Oui, je m'en rappelle. On avait fait plusieurs quêtes comme ça déjà de base. On va les retourner voir donc à la taverne de Oku, challenge Warden, challenge Novice. Et on avait fait comme ça pour essayer donc déjà d'une de gagner de l'argent et de rendre les combats simples pour un seul de solary. En l'occurrence, cette fois-ci, ce sera notre cher. Zapdragon. Ok, ils vont pas le voir venir. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui est arrivé à... Ah, je l'ai eu. Bon bah j'ai plus pas rendu compte. Bon bah voilà, ça c'est fait. Alors, Cindertooth a gagné un niveau. Il a vraiment une sale gueule, hein, je trouve quand même. Hein. Oui, un autre, on en a trois à battre comme ça, s'il vous plaît. Le mec, il est à peine présomptueux. Oui, venez, emmenez-les, il y en a trois à battre comme ça. On devrait se faire assez vite. Boum! Et boum! Est-ce qu'il va avoir réussir à la faire? Parce qu'il est dizzy. Fearless Rush, c'est pas ce que j'avais demandé. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et de deux. En plus, ça me remet en jambe. Oh, une blondinette! Hop! Hop! Oh, moi j'attaque directement le gardien, moi j'ai plus aucune peur. Boum, je suis encore dizzy, fait chier. Il renvoie un Fearless Rush de malade mental. Hop. S'il pouvait éviter d'être dizzy, ce serait cool en fait. Et je me suis fait défoncer par moi-même. Elle va m'attaquer moi, mais en plus elle a aucun respect pour moi en fait. Bon allez, finissons-en. Voyons voir si j'obtiens quand même la victoire. Désolé Zapdragon, t'as pris plein la gueule, j'ai bien vu. Voilà, apparemment je l'ai eu. Bon bah écoutez, tant mieux. D'accord, bon bah on écoute. La capacité des électriques solari à commencer rapidement un combat peut tout simplement mettre ton adversaire à genoux et peut-être même d'arracher rapidement et facilement la victoire. Mais si ça ne marche pas, tu pourrais en rester vulnérable. C'est un grand risque, mais aussi pour une stratégie qui en rapporte beaucoup, qui apporte beaucoup de fruits. C'est pas ma tasse de thé, mais certains gardiens aiment ça. Mais j'aime bien, moi. Faut juste trouver le bon équilibre entre vitesse et attaque, comme ça t'as pas besoin d'utiliser la défense. Normalement. Bon, ça contre une IA ça passe, contre un boss, contre un adversaire ça passera pas. Bon, maintenant j'espère que t'es prêt pour la prochaine leçon, ça pourrait même être amusant. Oh putain! Je l'ai pas vu venir! Ah oh, bah dis donc, contre des natures, enfin que des natures solari, donc est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un. Challenge Warden, Challenge Novice. Et je vais utiliser Shrubble. Hop!
j'étais stupide là. Boum. Je révolte la mise. Et là, ça va être à moi normalement. Boum. Mais c'était quoi ça à la base? Bruising Charge. Ouais, j'aurais pu faire ça aussi. Bon, et 2-1. Ah, Shrubble gagne une gagne un niveau. Le prochain niveau qui gagnera une compétence. Allons-y. Shrubble. Hop. Là. Voilà, boum. Ah, il était bien équipé niveau armure. Ok, c'est parti. Allez, charge. Je sais pas ce que c'est un feu, donc je vais pas pouvoir battre le premier coup. Ouais, je m'en jetais un petit peu. Par contre, il va me faire ça très mal. Non, il a pas décidé de m'attaquer. Mince, il va le déflect. Voilà, il n'a pas déflect le reste des dégâts. Et le roaming charge, bruising charge, pardon, est efficace, parfait. Hop, c'est plutôt bien. Encore un petit dernier combat avec le nature, après je pense qu'on aura d'autres types encore. Je sais pas ce qu'il nous reste, si les roches, non les roches je les ai fait je crois. Hop. C'est parti. Aïe. Allez, bouge ton cul, Shrubble. Bloqué, parfait. Ça met les choses au clair. Si je puis dire. Parfait, bah t'as fait apparaître l'autre, c'est pile au bon moment. Hop. Crac. Et voilà. Ça, c'est fait. Encore une victoire de canard. Et boum. Par contre c'est violent comment les mecs ils se mettent à genoux derrière quoi. Enfin bon. Continuons. Et B, long chargement. D'accord, bah voilà. C'est cool. Parfait. Bon bah en tout cas le système de sauvegarde est plutôt bien foutu. Les Solari de type nature sont forts dans le fait de pouvoir garder l'adversaire donc sous les debuffs. Donc dans des malus. Hein. Mais ils ont besoin de patience et d'entraînement. Ils sont aussi un peu vulnérables aux adversaires rapides et agressifs. D'accord. Bon, un petit peu d'argent, un petit peu d'XP toujours. Hein. Alors, ouais, quand je vais retourner le voir, il va me dire quoi. Tu y arrives surprenamment bien. Pourquoi est-ce qu'on regrouperait pas toutes ces leçons? Utilise un... C'est pas ce que j'ai traduit juste avant. Utilise un solari de type pierre pour prouver le vieil adage. On pourrait traduire ça entre je sais pas lenteur, alors là c'est lenteur et résistance gagneront le combat, donc c'est en gros c'est je sais pas comment je pourrais traduire ça. Patience et mental te permettent de gagner le combat quoi, en gros. Bon bah pareil avec les types pierre. On va tous les faire les types hein, chers amis hein. C'est violent hein. Allez Shardstorm. Je compte sur toi. Hop. Oh il a esquivé le dernier coup je crois, non? Non non même pas.
Quick punch. Oh putain. Ouille. 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 Ils m'ont interrompu en fait, non? Plusieurs fois. J'ai deux fois la même tactique. Non. Ok, allons-y. C'est un peu plus dur là. Boum! Dans tes dents! Voilà. Ce qui m'inquiète plus, voilà, c'est elle. Boum! Voilà, bon, bah les combats vont être un peu plus durs. Il y a dommage d'ailleurs. J'avais pas besoin de ça. Nemonox qui vient de gagner un niveau. Bien joué. Oui, continuons. Il nous reste encore deux combats avec des types proches. J'aurais dû sortir avec Berthe peut-être. Hop. Ouais, sauf que tu vas pas déflect un coup direct. Hop. Gravel shot, pourquoi pas. Hop. Régénérons-nous un petit peu pour voir ce que ça donne. D'accord. Est-ce que ça va clean les buffs aussi? J'espère pas. Ah non, par contre ça va clean le disque. Génial. Hop les Clobbering Strike. Pouf, dans ta gueule. C'était violent. Et de deux. Ceux-là sont un peu plus longs, chers amis. Mais bon, plus c'est long, plus c'est bon. Où est-ce qu'il est là? Vache, c'est rapide. On va voir si tu vas t'évader longtemps. Et boum. Voilà, ça c'est fait. Hop. Bloque le coup autant que tu le veux. Hop. Crac. Crac, crac. Oh putain, il va bloquer ça, non. Le burn strike bloqué. Interrompu au moins. Bon, c'est là ça le prix. Oui, il s'est passé un truc, j'ai pas compris ce que c'était. Mais c'est pas grave. Quick punch. Voilà. Parfait, on a réussi. Bon, bah ceux-là ont été un peu plus durs. Mais on s'en est sorti. Ça semble gagner un level là-dessus, c'est parfait. On y va. Use the PvP menu to find an opponent. D'accord. Quête complète. Donc, d'accord. Enfin, quête réussie. Un déploiement d'un Solari de type pierre au bon moment peut te permettre de regagner ton souffle ou de placer un gros combo.
À partir de maintenant, maintenant tu as pu en remarquer, enfin tu as pu voir toutes les affinités qu'il y a entre, enfin toutes les faiblesses et les forces de chaque type de Solari. Un bon gardien peut utiliser tous ses avantages, peut toutes les utiliser à ses avantages quand il sait à quoi s'attendre. Mais un super gardien, un gardien de génie, apprend comment maximiser les talents de n'importe quel team, quel que soit le challenge. C'est très bizarre la façon dont c'est traduit. Enfin, j'imagine que je suis une très mauvaise traduction, mais bon. Quel type de gardien seras-tu, je me demande. Ah ben, on est passé niveau 18, mais le jeu nous le dira pas, il nous le dira qu'au prochain niveau. Kurada Guildhall. Tu penses peut-être savoir maintenant que tu sais à peu près tout sur les combats sur comment combattre un Solari de type pierre. Bien, bah écoute, s'entraîner, ça rend les choses plus parfaites, ça améliore les choses. Tant que tu es là pour travailler sur les différentes tâches que je te donne, on pourra voir ce que tu apprends. Oh putain! 30 stones sous la Solari. Bon, bah alors là, par contre, on peut retourner à Kurada. Pépéré, pépéré, pépé, pépé, pépé. On va aller là, après tout, hein. Il y en a qu'un déjà pour commencer, c'est cool. On va essayer de là. Ah, il y en a deux là. Cool. Hop. C'est parti. Parfait. Bon, et de deux. Putain, on n'est pas rendu. Non, non, et non. On continue. Battle. Bon. Là, on en a 3, ça fait 5. Peut-être aller assez vite en fait. Hop les. Crac. À mon tour. Ah, il a fait bloc. Merde, j'ai pas eu le temps de lancer mon sort de bloc. Fait chier. Ça devrait suffire normalement. Ouais, ça devrait suffire. Bon, c'est cool. Ça va peut-être aller assez vite en fait. Hop les. Un, deux, trois encore. Voilà, c'est fait. Et boum! Alors, est-ce qu'il va l'avoir là? Ouais, il la lance. Merde! Ça devrait quand même l'achever. Ouais, c'est bon. En fait, ça peut-être aller assez vite. Non. Non. Sauf si je tombe sur un arc-bête niveau 4, enfin de 4 étoiles. Et on continue. Ah, seulement 2, c'est naze. Ça fait 10. Allons-y. Ah, ça l'a pas tué, il va faire bloc. Recovery. Ah non, intéressant. Et boum! Ah, ça l'a pas tué! Je suis vexé. Boum! Voilà. Ah donc en fait non, c'était bien Fearless Rush, c'est moi qui me suis planté au niveau de ma...
de ma compétence. Je pensais que faire la chose c'était la quatrième. En fait non, c'est la deuxième. Ok, pourquoi pas. Nous sommes donc à 10. On continue à se battre. Hop. Place ma bite. Ah ça j'ai pas eu le temps. Dommage, j'avais bien envie de la voir. 3 étoiles là. Bon. Continuons. Deux de plus. Allez. Ok, c'est bon. Il y a un petit lag, mais c'est bon. Oh putain, je vais les prendre. Il me sort des 3 étoiles tout le temps, ça va pas le faire. You win! Oh yeah! Snapdragon gagne Haste. Je l'ai vu venir parce que bon, je m'en doute un petit peu. Snapdragon, t'as pas vraiment besoin de Haste en fait. Tente-leur. Je sais pas s'il y a une différence entre Haste et Team Haste. Non, bon bah voilà. Tente-leur. Battle! 2 de plus, pourquoi pas? Hop! Hop les, voilà ça c'est fait. Non et non. On va y arriver chers amis hein. L'épisode est un peu plus long, j'espère que ça vous plaît. J'ai l'impression que je mets beaucoup d'épisodes longs en ce moment. Hop les. Tu bloques autant que tu peux, c'est tant mieux. Plasma Baito. Juste pour finir sur une belle technique. Pouf. J'en ai un peu plus beau, je le reconnais. Hop. Non, j'ai dit qu'un niveau 4 pour l'Herbert. Herbert. Legbert, pardon. Herbert. Je l'appelle Herbert, ça y est le machin. Herbert le berbère. Bon, non, collecte. Enfin. Si, collecte, je suis con. Putain, j'en chie. Allez. Oui, j'ai changé exprès, hein, ça change. Hop. Hop. Place ma bike. Boum. Dans tes dents. Bon. Ah ah ah. Encore un 3. Oui, release, j'en ai déjà un. Hop. J'ai perdu le compte, chers amis, au passage. Hein. Donc on va finir peut-être quand ce sera décidé que ce sera terminé. On a 3 là. Vulcature, j'en avais déjà un. Envoyer l'eau. J'ai fait une connerie, j'ai perdu du temps. Ma faute. Hop. Spark jump. Ah, c'est ma bite. J'en ai dégommé deux, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas compris pourquoi j'en avais
bousiller deux en fait. Ni où, ni quand. J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. Toujours pas d'Egbert niveau 4. Enfin, de cas à toi en tout cas. Bien dommage. Hop. Parfait, là ça avance bien là. Hop là. Ça devrait faire mal. Voilà, ça c'était rapide. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Qu'est-ce que j'ai fait de bouteille d'eau là? J'ai soif moi. Crac crac crac. Comme d'habitude, je gagne. On continue. Hop. 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 Ok, j'ai me bouffé un strike, pas un bloc, donc c'est bon, ça devrait pouvoir passer. Il a bien résisté celui-là. C'est ma bite. Voilà, il a pas résisté à la plasma bite par contre. Ah, je me suis attendu à ce que ce soit un 2 ou 3 étoiles. Raté. Pourquoi pas. Ah, Cindertooth va gagner une compétence prochain niveau. Pourquoi pas. Continuons. Tant que le jeu me dit pas que c'est fini, c'est que c'est pas fini. Allez, soyons fous. Hop là. Ah, j'aurais espéré que ça l'interrompt, je l'avoue. Boum. On doutait un petit peu que ça avait le bon choix. Hop. Ah c'est marrant, ça l'a bloqué mais il est quand même empoisonné, c'est pas mal ça. Parce qu'au final bloquer le coup c'est générer assez de force pour pouvoir ne pas prendre de dégâts lors de la réception du coup. Là on réduit la quantité de dégâts qu'on va prendre. Donc, il y a toujours un contact, donc avec un truc empoisonné, bah forcément. Ouais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien pensé. Bon. Juste pour le fun, allez on envoie. Hop, oh dommage. Oh ça a suffi, bon bah écoute tant mieux. Bon, par contre, il serait peut-être temps que je mette fin à l'épisode là, donc où est-ce qu'on est la quête? Mes heures de montage et d'upload vont augmenter. Où est-ce qu'elle en est la quête? Allons voir où est-ce qu'elle en est. Alors. Ah, bah elle était déjà faite. Elle me prévient pas, hein. Bon. Bah, on va rentrer à la Kurada Colony. Hop. Et on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas... Ah bah attendez, bon. Attends, t'es en train de me dire que t'as vraiment battu tous, combattu tous ces Solari de type pierre. J'ai seulement... suggéré, voilà. Je l'ai seulement suggéré, donc ça sert à rien de tout prendre au pied de la lettre. Voilà, en plus il se plaint. Donc les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous laisse sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé cet épisode. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.